Bonjour à tous. Le mouvement des assemblées de Dieu a été marqué par l'action de Dieu. Dieu agissant par ses serviteurs, en ses serviteurs. Et de nombreux ouvrages retracent cette action divine. Et dans la vidéo de cette semaine, je vais vous présenter le livre Serge Gaillard, un apôtre français, écrit par Raymond et Gérard Faux. Bonjour à tous et bienvenue sur Lecture Chrétienne. Serge Gaillard est un pasteur né en 1926, décédé en 1984. Il était très actif dans les domaines de l'évangélisation et de l'implantation d'églises dans le mouvement des Assemblées de Dieu de France. Le livre, en apparence, semble ressembler à une biographie dure, mais au-delà d'une biographie, il s'agit d'un réel témoignage où l'on peut remarquer l'action puissante de Dieu. On y retrouve des anecdotes de proches du frère Serge Gaillard. Pour moi, ce livre, au-delà d'être un simple récit biographique, il s'agit là d'une histoire passionnante. Et je l'ai lu de partout. En voyage, dans le train, à mon chevet, à mon bureau, le livre m'a suivi de partout. J'ai parfois ri, j'ai parfois été ému par les propos énoncés par les auteurs. On voit au travers de ce livre les miracles, les signes puissants de l'action de Dieu. Je recommande la lecture de cet ouvrage à toutes celles et ceux qui s'intéressent au pentecôtisme, plus précisément au mouvement des Assemblées de Dieu de France. C'est un livre qui, au-delà de vous raconter une simple histoire, va pouvoir vous parler, car à moi-même, il a su me parler. À combien plus forte raison ne pourrait-il pas vous parler? Et ça, je le crois. Si ce livre vous intéresse, vous pourrez le retrouver au prix de 15,90€ aux éditions Viens et Vois. Le lien est bien évidemment dans la description. Mes chers lecteurs, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous abonner, à partager cette vidéo, à y déposer un like. Quant à moi, je vous dis à très bientôt sur Lecture Chrétienne. Soyez bénis !